On expérimente au refuge de Sarène. Refuge autonome en énergie situé à deux pas de l'Alpe d'Huez. Les idées fusent et les actions prennent forme. Voici la présentation de deux systèmes d'énergie propre développés ici, à 2000 mètres d'altitude. La chaudière à gazéification et la fusion froide. La chaudière de demain devra relever le défi de brûler l'eau de pluie récupérée dans la gouttière de la maison sur un plasma porté à haute température par l'incinération des déchets ménagers. La régulation de l'alimentation en eau se fait par le contrôle de la température des gaz émis et de l'échangeur qui dissipe l'excédent d'énergie en produisant de l'eau chaude sanitaire. On notera que le procédé ne produit aucune fumée ou très peu. L'hydrogène contenu dans l'eau s'enflamme sous l'effet de la haute température et de l'oxygénation forcée de la chambre de combustion. La combustion du déchet sec ou humide ne produit quasiment pas de cendres. La fusion froide, ou l'art et la manière de faire du feu dans l'eau. On plonge deux électrodes chargées positivement et négativement, anode et cathode, dans une solution saline et les particules chargées négativement vont vers l'électrode négative et inversement. Dès lors, l'hydrogène et le deutérium créent de la vapeur d'eau. L'eau va devenir un élément déterminant dans notre avenir. Quand on connaîtra la richesse de ce matériau, on espère qu'on commencera à le respecter. Nous pourrions faire l'impasse sur les énergies usuelles, énergivores et très polluantes.